Petite marche, donc on prend des choses frugales en fait, dans ce chemin là. On va marcher dans la pluie, dans le vent, on va y voir de la beauté. C'est le chemin de la résistance quoi. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais des choses du réel quoi. Une bonne carotte, une pomme, des dattes, puis une petite bière. Faut rigoler quoi. C'est quand même, faut rigoler. Un des trucs importants de la résistance. De garder de l'humour. Parce que tout ça, ça paraît tellement sérieux en fait. Et moi, mon rêve, ce serait que tout ça se dégonfle dans un éclat de rire, quoi. C'est-à-dire, waouh. En fait, c'est juste une blague où on a déliré, quoi. Ça, vraiment, ça me plairait, quoi. Que vraiment, il y a un grand éclat de rire à la fin. Quoi. Comme le verre d'Apollinaire, quoi. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Tout ça explose en toutes petites paillettes et en petits morceaux. Hein. Voilà, ça, ce serait chouette. Donc, je peux pas en parler, mais on a des projets humoristiques. Qu'est-ce que ça veut dire résister, hein ? Résister, ça veut dire tenir, réussir à bâtir autour de soi comme une cohérence, en fait. Et en fait, c'est comme si tout s'effondrait et qu'il y avait cette bulle de résistance. Et cette bulle de résistance, elle se structure en même temps que ça s'effondre. Les résistants, ils n'existent pas avant qu'on soit en train de s'effondrer. Ils n'existent pas avant qu'il y ait un totalitarisme. Ils sont en quiescence, ils sont potentiels. Mais ils existent vraiment que quand la contrainte arrive. Et quand la contrainte arrive, là, ils prennent leur forme. Et ils prennent leur forme la plus belle, en fait. Parce que résister, c'est héroïque, en fait. C'est tous ces gens qui essayent de dégoogliser Internet. Et puis après, on a pris du temps, vraiment, pour essayer de faire sortir un très beau site. Mais il était très lourd à gérer, et donc on a sorti... Résister, pour moi ça veut dire aussi être capable de mettre des bâtons dans les roues en fait, être capable de mettre des grains de sable dans l'engrenage, être capable de freiner une mécanique d'effondrement. Moi je me fais pas d'illusions sur le fait que ça va pas être facile en fait, mais je me suis jamais fait d'illusions là-dessus. La vie c'est pas fait pour être facile, la vie c'est pas fait pour être confortable en fait. Le confort c'est pas un but en soi, c'est pas une attente, quelque chose où assez régulièrement... Je peux avoir du conflit avec des gens qui sont de la génération baby-boomer, considéreraient qu'ils devraient être confortables, quoi. Que ça devrait être bien assis dans un gros fauteuil, en fait, et qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Mais ça, c'est un cercueil, ça. L'endroit le plus confortable, c'est là où il y a des festons, des froufrous, et où vous ne bougez plus, une bonne fois pour toutes, quoi. Moi, je pense qu'on a tous une mission de vie, en fait. Que l'appel, il résonne depuis qu'on est tout petit, en fait. Et qu'on ne l'entend pas. Ou qu'on ne veut pas l'entendre. Et l'appel, là, il résonne encore plus fort. Et donc, pour moi, la résistance, ça a consisté à se rendre disponible. Moi, je suis prêt à perdre mon travail. Je suis prêt à m'enfuir, en fait, s'il y a besoin. Je suis prêt à prendre le maquis, si c'est nécessaire. En fait, ça y est, je suis prêt, quoi. Résister, c'est marcher par tous les temps, en fait. Continuer à marcher sous la pluie, sous la neige, avec les grêlons, dans les cailloux, sur un beau petit chemin en sable. En fait, des fois c'est facile, des fois c'est dur. Et enfin, on marche quoi. Et on sait même pas où on va. Souvent on revient au point de départ, je sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les marches à la fin, vous revenez à la maison à la fin. Et donc on va peut-être juste revenir au point de départ. Mais on y va quoi. Et au passage, c'est la marche qui nous transforme. Il l'a dit Yoda, le côté obscur de la force est plus rapide, plus facile.
Mais on cherche pas ni la facilité, ni la rapidité. Donc la résistance, c'est en lenteur, mais c'est pas facile. La crise qu'on traverse, elle est nécessaire. Elle est non seulement nécessaire, elle est utile. Utile à construire ceux qui doivent bâtir le monde de demain. Et les matériaux qui doivent bâtir le monde de demain. Donc, mais ça, c'est cohérent avec l'idéologie dominante. Moi, je suis pas en train d'aller contre. C'est-à-dire l'idéologie dominante néolibérale mondialiste, elle part sur du capitalisme, en fait. Du capitalisme comme la rotation de capital, comme plus grande majoration de profit. Ce qu'on appelle la destruction créatrice chez Schumpeter. C'est-à-dire il faut bien détruire pour recréer quelque chose. C'est même l'idéal de la disruption, quoi. Dans toutes les écoles de commerce, toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles d'administration, c'est le seul mot-clé. Il faut disrupter. Bah ok, allons jusqu'au bout, quoi. Disruptons jusqu'au bout ce système de merde. Qui crée que de l'inégalité, qui crée que du pouvoir, que de la domination, qui crée de la brutalité, de la violence, qui sépare les gens les uns des autres, qui crée des gens tout seuls, juxtaposés les uns aux autres. Bah, laissons-le s'effondrer, en fait. Le parc de Lili Pastré. Lili Pastré, c'est la comtesse Pastré qui possédait toute la forêt là, au sud de Marseille. Et qui se baladait en carrosse et tout ça. Et tout cet endroit, c'était interdit au public. En fait, c'était l'endroit où il y avait des gardiens et tout ça. Et au moment de la guerre de 39-45, il s'est trouvé ici un très grand nombre de résistants, en fait. C'est-à-dire que Lili a ouvert son château à la résistance. Et a fait venir tous les intellectuels d'Allemagne, de France, d'un peu partout, qui fuyaient l'Allemagne nazie. Et donc il s'est retrouvé ici Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Simone Weil, etc. Des gens qu'on aurait peut-être jamais rencontrés autrement. Mais en fait, ils se sont rencontrés à ce moment-là, dans ce moment de résistance. Juste avant de finir par s'enfuir vers l'Espagne ou vers l'Angleterre. L'Angleterre ou les États-Unis. Et donc ça reste un haut lieu d'une espèce de flamboiement intellectuel et culturel au moment de la guerre, grâce à Lili Pastré. Bah, on habite là. C'est ça qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous demandez aux gens à quoi ils aspirent. En fait, il y a une partie des gens, ils aspirent à avoir plus de confort, plus d'iPhone, plus d'iPad, plus de vacances en Thaïlande, plus de... Ok, mais ça forme pas un nous, quoi. Ça, c'est juste des produits de consommation qui répondent à une espèce de pulsion de désir immédiate, mais qui vous nourrissent pas de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous nourrit? À quoi vous aspirez? À quoi vous avez vraiment envie de... Vers quoi vous avez vraiment envie d'aller? C'est quoi le fil rouge de votre vie? Les gens, on leur pose même plus la question. On leur fait penser que c'est quelque chose de secondaire, que c'est quelque chose qui est destiné aux rêveries du week-end ou à quelques petits moments clés. Mais en fait, ils n'ont même plus de week-end, parce qu'en fait, comme on les fait... on leur fait miroiter une société de loisirs et de l'autre côté des travaux à la con qui servent à rien et dans lesquels on passe leur temps à les maltraiter et où ils vont rêver de leur société de loisirs où ils pourront consommer tout à loisir et où tout sera automatique depuis la conduite de leur voiture en passant par l'ouverture de leur rideau en passant par appeler leurs copains sur le truc, ils n'auront plus qu'à le dire appelle machin et ça le fait à leur place. Mais justement ça remplit pas une vie, en fait. C'est juste ça empêche de regarder en face le trou béant spirituel qui est de quoi je veux que ma vie soit remplie, en fait. Et quand on creuse un peu, que les gens qui ont posé cette question-là, de quoi je veux que ma vie soit remplie, en fait, on a toujours à peu près les mêmes questions, les mêmes réponses, quelles que soient les spiritualités, les cultures. Je veux que ma vie elle soit remplie de paix, de beauté, de partage, d'échange, de rigolade, d'étreinte, d'aventure, d'amour, de lumière et de joie. Et en fait, bah voilà, c'est ça le fil rouge, quoi. Notre âme de la garde. Veille sur nous. Pour qui tu résistes, tu m'as demandé. D'abord pour moi. Je veux pas vivre dans le monde qu'on nous propose, en fait. Je veux pas vivre dans un monde... un techno-cocon ou... où je suis protégé de tout, où j'ai une assurance pour aller pisser, où j'ai un casque pour sortir dehors dans la rue, où j'ai un masque pour dire bonjour à mon voisin. En fait, je veux pas vivre dans ce monde-là. Et donc, il faut que je me donne les moyens de créer un autre monde. Donc c'est d'abord pour moi.
Et puis ensuite, c'est pour mes enfants. Parce que je pense que ma seule mission de vie, en fait, s'il en reste une, c'est de protéger mes enfants, de les mettre dans ce méta-besoin de l'enfant, qui est celui de la bonne tension entre la liberté et la protection. Je cherche à ce que mes enfants puissent grandir en liberté. Or là, c'est pas ce qu'il leur est proposé. Là, on leur propose uniquement d'être les esclaves et les rouages d'un système qui se rapproche de la matrice, quoi. J'ai pas envie de ça. Donc ça pourrait paraître égoïste au départ. mais je suis assez honnête là-dessus, quoi. Après, c'est aussi parce que ma mission de médecin, de soignant, elle est partie de ce constat au départ, de la souffrance, en fait. De ma souffrance et de la souffrance de l'humain sur Terre. Et que je voulais essayer d'y faire quelque chose, en fait. Je voulais essayer de trouver un moyen d'aider là-dessus. En fait, ça y est, moi, je trouve un moyen d'aider, quoi. Puisque là, une grande partie de ce pourquoi la souffrance est là, transparaît, quoi. Le voile des chiens. On fait un reportage sur les résistants. Les résistants de la droite Roland ? Non, les résistants de maintenant. Contre le déferlement totalitaire. Alors ça, c'est une bonne idée. Ben moi, j'avoue que je suis très sensible à ça et puis très remonté, quoi. Moi, je fais partie des gens qui ont changé de médecin pendant cette période. Ouais. Parce que je ne supportais plus le comportement de ma médecin qui était devenu complètement autoritaire. On n'arrivait même plus à discuter tellement elle était parano par rapport à la Covid. Je comprends pas que des gens, notamment Véran, enfin moi ce que j'appelle Véreux, hein, cardiologue, un éminent spécialiste soi-disant, fassent de la politique. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans la politique? Raoult, il n'en fait pas de politique. Il travaille, il bosse, quoi. Voilà. Il sauve des gens. Et Véran, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous emmerde tous. Il traumatise tout le monde. Ouais, c'est ça, voilà. C'est exactement ça, du traumatisme. Il passe son temps à taper sur les gens. Voilà, son vaccin, lui, c'est la parano. Hein, avec le croque-mort, là, comment il s'appelle, Salomon. Voilà. Hein. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Faites un beau sourire, vous êtes charmé. Non, ouais. Ça ira. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fendi? C'est une jolie jeune femme comme ça et un masque, quel dommage. Comment? Une jolie jeune femme comme ça et son masque, quel pitié. Oui, il y en a plein d'impastrés, ça me fait drôle, moi, parce que... Bah, ils sont devenus fous, quoi. Et vous savez, moi j'en connais, ils en mettent deux masques. Je veux pas le croire. Si, c'est vrai, ils mettent deux masques avec les gants transparents, là. Heureusement qu'elle ne craint pas le Covid. Bah, être des gens de bon sens, quoi. Je crois qu'il y a aussi ça dans une partie des gens qui... Donc il nous a dit qu'il était remonté, quoi. Il n'a pas dit en colère, mais il a dit je suis remonté avec toute la famille, etc. Alors, on est dans l'entraide. Ça, c'est une piste intéressante. C'est-à-dire, vraiment d'en essayer de tenir, quoi. De tenir le coup en s'entraidant. Et en même temps, il n'y a pas forcément l'idée de se mettre complètement en lien avec d'autres gens autour, de manière plus large et plus ample. C'est-à-dire qu'il parle d'un mouvement populaire comme si il allait naître de manière spontanée, mais sans proposer d'en faire partie. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme ça, qui attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui monte au créneau. Parce que c'est pas facile, quoi. Ouais. Mon grand-père qui était résistant, en fait, qui était instituteur au départ, et du côté maternel, Albert Favreau, il a été mobilisé quoi, en 1939, et puis en fait, c'est dans la débâcle, il a été mis dans un camp militaire allemand. Et en fait, il s'est évadé. Et ensuite, il a participé à structurer un réseau qui s'appelle Mithridate de résistance. Ensuite, il est resté dans l'armée, et une des histoires qu'il raconte, c'est dans cette tension utilitariste ou déontologiste sur le fait de tuer des prisonniers allemands. Des militaires allemands ou de les relâcher parce qu'ils ne pouvaient pas s'en encombrer. Bah, y a cette histoire qui traîne dans la famille que lui, il les a laissés partir en fait. Quel qu'en soit le risque derrière, là on est face à quelqu'un qui était pour mon grand-père, hein, dans une logique déontologique, c'est-à-dire je fais ce que je dois faire. Peu importe les conséquences calculables ou calculées, et voilà.
je pense qu'il fait partie des héros, ouais. Des héros auxquels je peux me référer, quoi. Et ça, je pense qu'on a besoin de héros pour essayer de s'identifier, savoir qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie d'être, d'incarner. Si on n'a pas de héros, si son héros c'est Spider-Man, Superman ou Batman ou Iron Man, c'est quoi ? Des mecs paranoïaques qui vont rendre la justice contre le système parce qu'ils pensent que le système est trop corrompu. Et pour ça, ils ont des super pouvoirs qu'ils ont hérités parce qu'ils ont été irradiés ou parce qu'ils ont de la technique à gogo autour d'eux et voilà, ils ont 50 ordinateurs ou parce qu'ils sont multimilliardaires de leur père ou de leur grand-père comme Batman. Bah, en fait, ça c'est typiquement le héros américain en fait. Non, le vrai héros, il construit ses compétences progressivement en fait. Il les affûte au feu du combat, toutes ses armes, il les fait, il les gagne de haute lutte quoi. Et il devient petit à petit le héros qu'il devait être. Donc, alors que Spider-Man et ça, ils sont d'emblée, de manière transcendante, ils sont élus par les dieux pour être des héros quoi. Non, vous n'êtes pas élus par les dieux pour être des héros quoi. On devient le héros de sa vie parce qu'on décide à un moment d'y aller quoi, de prendre le risque. De s'affûter au réel, quoi. Bonjour. Mais non, c'est le docteur Fouchet, c'est ça ? Ah, salut, enchanté, je suis vraiment content de vous voir. Et vraiment, merci. Merci, vous et vos collègues qui sont dans la même lignée que vous. Franchement, merci. Ah, c'est cool. Merci. Non, mais franchement, honnêtement, vraiment, 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 vous avez été le grain de sable dans ce truc. Ah ouais, on essaie de tous être des petits grains de sable pour éviter le truc quoi. C'est pas rien j'imagine. Ouais. C'est dur parce que les entourages de suite ils sont happés par la com. Enfin voilà. Lui le premier il fait des trucs, il a été obligé de fermer. Tout. Ouais non bah après financièrement ouais c'est sûr que moi j'étais dans le tourisme et dans la musique. D'accord. Donc ça c'est adieu. Ouais. Non mais même je veux dire de tout le comment dire. De l'ambiance quoi, enfin, il y a deux cas on va dire hein, en gros, c'est vrai hein, et c'est dur de maintenir les positions, c'est dur de, mais c'est grâce à des mecs comme vous, et quelques autres qu'on doit pouvoir compter sur les doigts d'une main, qu'on tient bon, honnêtement, voilà, pour moi vous avez été tous des petits grains de sable qui ont fait péter leur, enfin qui font un peu tanguer leur bateau. En tout cas, l'information et la fausse information qu'il y a, c'est impressionnant. Soi-disant, le vaccin, il devait sortir en 2021, mais ça y est, il en est sorti un, ils sortent tous. Le vaccin, c'est un très très grand moment quoi, de non-science, de non-médecine, de non-information. Du coup, il apparaît, tout le monde, ça y est, il est sorti le vaccin. Parce qu'une fois que tout le monde gèle... Je suis allé acheter le senton de Raoult. Ça fait 3 jours, j'y vais, il n'y en a jamais. Il paraît qu'il est en rupture de stock, ouais. Voilà. Ah, vous travaillez avec lui ? Moi, pas directement, ouais, mais oui. Ils veulent le démolir. Hein. Non, mais lui aussi, hein, en ce moment. Mais lui aussi, il passe dans les infos, machin et tout. Et, c'est une honte. Non, c'est vrai, c'est une honte. Tenez bon et. C'était le délire, quoi. Ouais. Courage. Hein. Ouais, mais en face de vous. Enfin... Ah, mais un jour, il y a tout qui va sortir, de toute manière. On le saura, la vérité. Ouais, c'est ça mon espoir, moi. C'est ouais, mais ça sortira. On verra. Elle tire le fil de choses qui étaient là depuis bien longtemps et qui vont. Bien sûr. Ouais. Allez, passez une très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Courage. Compliqué pour moi en public là d'inviter à l'action de désobéissance civile. Moi, j'appelle à la non-violence en fait, mais une non-violence active et de blocage, de boycott. Arrêtez d'acheter des iPhones, éteignez votre télé, éteignez votre téléphone portable, éteignez Internet. Tenez le coup pendant 14 jours. Déjà, vous allez voir, est-ce que vous arrivez à tenir le coup 14 jours sans Internet ? Très difficile en fait pour la plupart d'entre nous, et y compris pour moi. Mais on pourrait se donner comme ça comme premier défi, et voir qu'est-ce qui se passe en fait. Là, vous allez me dire, mais l'ensemble des gens, ils sont hypnotisés quoi, par le joueur de flûte de Hamelin. Attaquez-vous à l'hypnotiseur. Faites ce qu'il faut. Déconnectez les réseaux. Bonsoir. Ça va, oui. Arrivez à débrancher la télé Internet, tout le monde peut essayer de le faire. C'est-à-dire rompre le pacte avec le diable. Le diable vous dit, je vous donne des pouvoirs, et je vous demanderai en échange. Non, pas rien. Presque rien. Mais c'est quoi presque rien ? C'est presque rien, c'est un tout petit quelque chose. Mais quoi alors ? Ah, votre âme. Oh, c'est quoi l'âme ? Je sais pas ce que c'est, moi, je m'en fous. Ouais, je veux bien signer, ok. Et donc on a signé en disant, mais je sais pas ce que c'est l'âme.
Et aujourd'hui, on a des outils qui, en fait, contiennent un niveau de violence, un niveau de mal, un niveau d'ombre qu'on refuse d'envisager de regarder en face. Dans nos téléphones portables, il y a des enfants dans des villes-usines, il y a des guerres qui sont fomentées voilà, en République démocratique du Congo ou ailleurs pour avoir accès aux supraconducteurs. C'est pas... Enfin, si tu fais le compte, à la fin, bien sûr qu'il faut dire non. Bien sûr qu'il faut poser son téléphone portable smart, soi-disant, et l'éteindre. Bah, je peux vous assurer, pour l'avoir fait, qu'à 14 jours de déconnexion, tout s'apaise, en fait. La réalité revient en force. C'est-à-dire que 14 jours sans tous ces écrans, tout le monde va réaliser que le problème, c'est les masques dans la rue. Tout le monde va réaliser que le problème, c'est les conflits à la caisse du supermarché avec quelqu'un qui vous explique ce que vous devez faire ou pas. Et tout le monde va réaliser que le problème, c'est que les restaurateurs, les artistes sont en train de crever. Et tout le reste, ce sera de la littérature. Tout le reste, ça n'a pas d'importance, en fait. Qu'il y ait des multimilliardaires qui s'étripent pour essayer de vous faire vacciner pour un truc qui fait si peu de morts, mais pourquoi est-ce qu'on s'énerve là-dessus, quoi ? On s'en contrefiche, en fait. Christiane Singer, elle parle du bon usage des crises. Et elle dit que c'est grâce aux crises, en fait, qu'on trouve sa forme. En fait, je dois accepter l'idée que cette crise, bah, finalement, c'est l'occasion qui m'est donnée, en fait, de devenir le meilleur. Et ça, je l'ai déjà vécu en bateau. Que être coincé pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi sur un bateau avec des gens, bah, en fait, tu sors le pire ou le meilleur. Tu peux décider d'être insupportable, en fait, avec tout le monde, d'envoyer bouler tout le monde, et puis à la fin, de claquer la porte. C'est possible, en fait. Je peux plus jouer ça, je refasse le poignet, quoi. Ou alors, tu peux commencer à faire la cuisine pour les autres. Tu peux commencer à être sympa, à aller mettre une couverture sur celui qui prend son quart après un quart de bar difficile quand il s'est endormi. Tu peux essayer d'aider de tous les côtés que tu peux. C'est extrêmement réjouissant de sortir le meilleur de toi-même. Il y a tellement de contre-dons que ça crée une énergie énorme. Ouais, bah là, tu vois, dans cette enveloppe, il y a une partie des choses que j'ai reçues, en fait, de tous les gens qui écrivent. Alors, ils m'écrivent à moi, ils écrivent au travail. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent avec de la colère et de la détresse aussi. Il y en a qui se sentent seuls. Voilà. Donc il y a tout ça, quoi. Donc on est. Moi je suis nourri hein, de tous ces gens autour, quoi. A l'inverse, aujourd'hui, t'as des gens qui vont no fake med sur internet, reprendre tout ce que dit Fouché ligne par ligne et puis envoyer un post en disant il faut le prévenir à l'ordre des médecins, le dénoncer, etc. Il y a des gens qui font ça, hein, vraiment. Et tous les jours. Passent leur temps à signaler toutes les vidéos, etc. T'imagines dans quel délire horrible ils sont, quoi. Comme ils doivent être malheureux, en fait. Comment ils peuvent être contents d'eux-mêmes le soir, en fait. Ils sortent le pire, quoi. Ça, c'est ma grande confiance, en fait, dans ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sortent le meilleur dans ce que j'ai vécu en bateau, et dans des traversées, dans des tempêtes, que de gens qui sortent le pire. Et en plus... dans la tempête, les gens, ils sortent tellement le meilleur qu'ils sont capables de tenir beaucoup plus longtemps que ce qu'ils pensaient, de sortir des ressources qui étaient complètement insoupçonnées, des choses qui étaient endormies en eux, qui se réveillent d'un coup, du courage, de la capacité d'action, de compréhension. Donc ouais, le bateau, pour moi, ça a été un vrai petit maître pendant de très nombreuses années, qui m'ont peut-être préparé à maintenant, en fait. Moi je suis prêt. On y va.